Salut à tout le monde, vraiment à tout le monde. Je vous dis, je suis un petit peu fatigué. Il est 8h30 du matin. Pierre Cross m'a dit de venir parce qu'il voulait qu'on tourne une vidéo. En vrai, je le sens très très mal parce qu'il est juste là. Il a un sourire narquois. Bonjour Benjamin. En vrai, je m'en doute que je vais passer un sale quart d'heure. Tu le sais, il y a une vidéo que les gens demandent depuis très très longtemps. C'est la vengeance de la vengeance de la vengeance. Aïe 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 aïe. Voilà, je le savais. Il y avait une journée où toi, t'avais rendu quelques petits services, mais gentil. Je t'ai demandé de me coiffer. Je t'ai demandé peut-être quoi, une petite bouteille de champagne à Reims. Tu sais que je suis pas bien en vrai là. Tu m'avais déguisé en Spirou. Tu m'avais envoyé à Marrakech pour chercher de l'huile d'olive. Oui, mais on rigolait. Il faut que ce soit une volonté de ta part aussi. Bah non alors. Veux-tu être à mon service pendant toute cette journée? Ouais, je suis joueur. Je vais pas te demander grand chose aujourd'hui. Tu sais comment ça s'est passé? À chaque fois, il y avait des petits services, des petits déguisements, et à chaque fois, on envoyait l'autre beaucoup trop loin. Est-ce que on commencerait pas direct par le principal? Il y a un truc que les gens savent pas trop, c'est que j'adore l'harmonica. Et depuis que j'ai déménagé, ça fait maintenant longtemps, je les ai perdus. J'ai plus d'harmonica. Donc j'aimerais un harmonica. C'est okay. Tout ce que je te demande. Bah super. Voilà. Bah très bien. Un authentique. Un authentique harmonica. Un authentique harmonica, ouais. Dans un magasin d'harmonica. C'est authentique en fait le mot important là-dedans. Balance. C'est où les harmonicas? Une musique un peu comme ça, country, des trucs comme ça. Tu comptes ça soit. Si tu comptes ça soit, on s'assoit. Hein. J'ai chaud. Je veux juste. Ah non. Un bel harmonica. Ah non. Du Texas. Ah non. Pour Benji. Voilà. Tac, donc attends, est-ce que j'ai l'impression que tu lis pas bien? American Airlines. Tu atterris donc à Dallas Worth. Je pars à quelle heure là? 11h30, 11h25? Ouais, aujourd'hui. Je dois être dans une heure à l'aéroport. Je viens de perdre mon sens de l'humour. Je pense que t'auras pas le temps de passer chez toi. Là, je pars aux États-Unis. Non, t'as le droit de... Tu veux ton sac ou pas? Regardez tous. Moi, je prends mon sac le matin. Voilà. J'ai une casquette. Bah, c'est bien, une des casquette. Lunettes. J'ai un gel et un mon cap de bon, téléphone. Attends, regarde. Dans une heure, je dois être... Allez. C'est très possible. Au courant? Oui. Tu sais pourquoi il est au courant, toi? On veut pas rater d'image. On veut que ce soit un beau souvenir pour toi, comme pour moi. Donc Thomas, il vient avec toi. Tu te rappelles comment j'étais parti à Marrakech? Oui, t'étais parti en Spirou. Ouais. Je vais pas te déguiser dans l'avion. Je préfère que t'aies un costume traditionnel. Je veux que tu sois mon cow-boy. Ça te plaît en plus les Santiago, non? Non. Bon, et Ben, quand même, sur les vidéos précédentes qu'on a fait, c'est jamais à celui qui est au service de l'autre de payer. C'est ma responsabilité, etc. Par contre, je t'ai trouvé un petit partenaire pour cette vidéo qui va permettre de financer ce voyage. Et d'ailleurs, regarde, cette carte-là, donc c'est Mastercard qui sponsorise tout ce petit voyage, tout ce petit détour. Je te donne cette carte. En plus, comme t'as pas pris de liquide, comme ça tu peux payer. En revanche, s'il y a des frais, c'est uniquement parce que je te les ai demandés. S'il y a des trucs que tu veux t'acheter pour toi, tu passes un coup de fil au propriétaire de la lampe. Hein, L'avantage, Benjamin, c'est que même si t'as pas de liquide, tu peux payer en carte sans problème, tu te prends pas la tête. Ça passe partout dans tous les pays. Si tu as envie de te faire plaisir, tu fais un petit détour au Canada, tout ça, tu le fais. Et t'as le paiement mobile aussi avec ça. C'est-à-dire que tu peux payer avec ton téléphone, tac, à t'acheter un petit chapeau. Allez, allez, fête. Mais même pas de brosse à dents. Je peux t'acheter une brosse à dents. T'inquiète même pas. Voilà. Non. Non, vous inquiétez. Vous inquiétez pas trop. Je vais voir partir là. Allez, allez. Bon ben, on y est. Voilà. Là, on est dans le vif du sujet. Là, on est dans le cœur de la meule. Putain, mais on va à Dallas, quoi. Je vérifie deux minutes. Hein. Non, c'est du vrai. M'a envoyé à Dallas, quoi. C'est bon, let's go. Arrivé à Dallas, je viens de prendre 10h30 de vol dans le visage. J'ai des miles comme pas possible. Sorry, sir, it's for Pierre Cross. One journey on service of the other. Bah, c'est parti, faut pas perdre de temps. Direction l'accoutrement de Chuck Norris. Yes. Qui c'est qui a acheté le Texas là?
Jean-Michel Ringard. C'est joli? It's cool, it's good? Yeah, I want to show you what you did. Yes. Got that hat and you go, howdy, ma'am. It's a Texas hello. Howdy, ma'am. That's good. Pierre Cross, comme tu le vois, je tiens ma parole. On est avec une Texane juste ici. Et ça part. Je paye l'habit texan. C'est pour toi. There you go. Pierre. Pierre. Me voilà texan. Bon, texan, c'est un cadeau, attention. Hein. Mais me voilà texan. Comme tu le vois, les boots, la chemise, le chapeau. Il me manque l'harmonica. On va y aller tout de suite. Comment dire au Texas? Hey, ready to go? Ça fait mal au cœur. Hein. Et sache un truc, hein, par contre. Parce que ça, ça là, ça se paiera un jour. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas, en vrai? En vrai, moi, je trouve que t'as du style. J'ai du style un peu? En vrai, moi, je tu sais qu'il faut marcher comme ça quand t'as un. Tu sais, c'est. Tu veux pas nous faire une petite danse, en vrai? Randstock, rainy border, Randstock, boom. Randstock, mail on the Randstock, boom. Faut qu'on trouve un tacos. Et je dis pas ça parce qu'on est au Tex-Mex. Ne jamais perdre son humour, par contre. Je cherche un harmonica. Je suis au milieu du Texas, il commence à faire nuit. Je sais pas où il y a un harmonica. Moi, je sais pas où il y a un harmonica. Bon, petit fail d'harmonica. Il est 22h et les magasins sont fermés. On a trouvé un petit motel. On va au moins poser nos affaires. Ça te va, il fait très américain ce motel. On entre. Allez. Allez, let's go. Là maintenant il est 11h30, pardon j'ai toujours pas le réflexe, il est 4h38 du matin en heure texane, j'appelle Benjamin, réponds pas. Ben, hein? Il y a Pierre qui appelle. Hein? Ben, C'est Pierre. J'ai pas envie. Allô? Ah Benjamin? Ouais allô? Ouais. Bon alors? Ouais. Il est midi là? Allez là! Est-ce que je dormais? J'ai une question, Benjamin. Je suis dans le jardin sur le hamac. Comment je fais pour me pousser, me balancer? Pour moi, hein. Pour moi, ça va être compliqué de revenir pour ça. Là tout de suite. Hein. Il va y avoir un système de 10h30 d'avion. D'abord, je voulais savoir si t'avais bien trouvé l'harmonica. Ça, c'est ma priorité. Nickel. Nickel, c'est harmonica American, ils sont super cool et ils font de la musique comme des harmonicas. Ouais, c'est quoi comme marque là? C'est une marque qui s'appelle Power, je vois pas mal de gens qui en parlaient. Le gars m'a dit really good. Franchement, really good, quoi. Maintenant, j'ai plus besoin de trucs de Dallas. Ouais. Je te propose que tu reviennes pour finir les derniers services à mon service. Donc, je t'ai pris ton billet d'avion. Cool. Je t'envoie la référence. Trop bien. Ça aurait été drôle de journée au service de l'autre, franchement. Donc, retour 11h25 et on se voit juste après. Allez. Let's dormir. Le dodo, ouais. Je paierai vraiment très cher pour voir la tête de Benjamin quand il va arriver à l'aéroport de Dallas ce matin, qui va donner la référence de son vol et qui va découvrir. Je vous en dis pas plus. Bon, let's go. Il est 7h du matin et donc qui dit Dallas dit Amérique, dit petit déjeuner américain. C'est parti. Je vais tenter de payer avec le téléphone. All right. Oh là là, les pancakes, oh là, mais du malheur quoi. C'est l'Amérique, hein. Et t'as pas à bord? Milkshake Oreo, histoire de rester un petit peu dans tout ce qui est sportif. I have to find a harmonica. And I don't know where to buy it. Music center? There is no. Oh, music center, yeah. Thank you very much. Bon, Thomas vient de checker, le music center est fermé. Il ouvre à 10h du matin seulement. Pierre Cross nous a dit qu'il nous envoyait un billet d'avion de retour qui était assez ça, vers 11h30. Donc c'est mort. Je ne perds pas espoir. Et on va aller checker peut-être à la station essence des gens qui vont nous dire où est-ce qu'on peut acheter un harmonica.
C'est quand même fou, une ville sans harmonica. If you have a second, we are filming our trip and we are looking for an harmonica. You go down 635 here. And it's open. Journée au service de l'eau, je vous expliquerai, c'est une catastrophe. 1h17 de marche. Ok, so it's open at 10. 10h. Là, c'est fucked up, Thomas. 1h17 à pied. Je sors mes pieds, c'est des burritos. C'est terminé, non mais regarde. C'est avec ça, tu fais des ampoules, t'en craques une, t'illumines Paris. Tu fais des ampoules. Là, les talons, c'est EDF. Hein. We are looking for harmonica. Harmonica? An harmonica Bellucci. mission avortée. Soit sa référence est pas bonne, mais j'ai pas de vol. Bah non, mais je vais l'appeler, hein. Oui, Benjamin, je suis en train de boire à la gourde. Je suis en train de porter moi-même ma gourde, en fait. Tu trouves ça normal? C'est pas normal, mais j'arrive bientôt. En fait, là, on est en train de checker les billets. Il n'y a pas de vol pour Paris, là, ce matin. Ouais, il y a quoi, 11h30? Il n'y a pas Paris. La référence que tu m'as donnée, il y a marqué Cuba. Ah! Ah! Ça, c'est tout moi, ça. Quoi, c'est tout toi? Ah, je suis con, là. Ah, toi, je me retrouve comme un con, là, Benjamin. C'est tellement mal joué, Pierre. J'ai oublié de te dire qu'il y avait une escale, en fait. Un petit détour, ouais. Un petit détour. Peut-être qu'à Cuba, moi, j'ai besoin d'un petit dernier service, quand même. Non, mais là, je vais pas aller à Cuba. Si, tu peux. Tu vas voir, les avions le font très, très bien. Est-ce que ça te dérange si plutôt tu rentres vendredi matin, par exemple? Parce que là, je suis sur Google Images, Google, tu vois, les planètes, là, tout ça. Et comme j'aimerais bien partir bientôt en vacances, peut-être à Cuba, en fait, il y a une plage où je voudrais aller, qui a l'air super mignonne, mais il n'y a pas de photo sur Google. Du coup, moi, ce que je me disais, c'est que tu peux peut-être... Aller là-bas, me prendre une petite photo. Là, tu m'as pris des billets pour Cuba pour prendre une photo. S'il y avait eu sur Google Images la photo de cette plage, je t'aurais fait rentrer directement à Paris. Ça, c'est pas un problème, tu me connais. Je suis quelqu'un de confiance, je t'aurais fait rentrer à Paris. Le problème, c'est que moi je suis en train de prévoir des vacances, j'ai pas la photo de cette plage. Comment tu dis la plage? Baku Ranao. J'enlève l'accoutrement rodéo là. Pourquoi? J'avais pas compris pourquoi. C'est quoi ta logique là derrière? J'arrive à Cuba là en Chuck Norris. Benjamin, est-ce que t'as entendu une fois de ma part la consigne ou l'ordre, hein, comme tu veux, change-toi? Non, j'ai pas entendu, c'est pour ça que je m'étais permis la question du coup. Sur la plage, c'est... Tu peux prendre juste une photo, tu peux aussi me faire une petite visite en vidéo, il y a pas de souci. Mais ça se visite des plages, tu veux mettre une kitchenette, tu veux... Je peux te demander juste un dernier petit truc, après franchement j'arrête. Est-ce que tu peux me reprendre juste de l'huile d'olive de Cuba, s'il te plaît? Et désolé encore une fois, la prochaine fois, promis, j'oublierai pas les détours. Ouais, c'est... T'as été distrait. Salut mon cobaye. On va à Cuba. Bon, sortie de l'aéroport de Cuba, comme vous le voyez. Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana. On traîne pas, taxi direction La Habana. Let's go. On va peut-être pas tout payer avec la carte. Faut toujours avoir un petit peu de billets sur soi. Oh là là, Cuba, mais je le fais en espagnol. Ouais, attendez. Esperando un momento, por favor. C'est parti. Monnaie sonnante et trébuchante. Voilà, Thomas, on va se prendre un petit coup quand même. Un petit morito, un petit moritard, vu l'heure qu'il est. Voilà, ça part en vin de très mauvaise qualité. Allez, on a le droit de se faire un peu plaisir quand même. Allez. Gracias. Cuba, sa chaleur, ses musiques endiablées et cette furieuse envie de dire au monde, la vie est belle. Yes, really? You like it? Yeah. Thank you. I have to find an harmonica. Here, not too many people play that. No hay harmonica here. No. Por acá? Artec. In that street there. Yes. Next corner. Bon, bredouille. Ils m'ont dit qu'il y avait peut-être un magasin d'harmonica. Il va falloir que j'aille chercher ça, moi. Impression quand même d'être déguisé dans cette histoire. Impression d'être seul au monde quand même.
Bon. Estoy en la mierda. En la mierda. Hola, señor. Estoy buscando a una armónica. Tu. De verdad. Entonces, en toda la Habana Vieja no existe más d'harmonicos. Ay, ay, ay. Bon, bah, Brodouille, compliqué là, compliqué pour Verica. J'ai pas envie de croire au fail de la mission. De toute façon, il en reste encore l'huile d'olive et la plage. Mais l'harmonica, bah, ça sera pas la Havane. Là, je sais pas où on s'engouffre, mais on est vraiment perdu là. Il fait à peu près 77, 78 degrés. On va s'engager dans ces petites ruelles. Là, heureusement que j'ai pas pris beaucoup de cash et que j'ai la carte parce que là, ça regarde le Texan assez bizarre. Allez, on part à la recherche de l'huile d'olive. Je vais devoir trouver ça. C'est joli quand même, Cuba. Franchement sympa. Non, gracias. Et les gens sont hyper sympas, hyper gentils. On est entré dans un magasin où là, normalement, il y a l'huile d'olive. On va voir. Ah, est-ce que le pas ? Hello. J'ai l'huile d'olive. Mission accomplie. Aceite de oliva. Tout ça pour ça. Combien de kilomètres, Thomas, pour l'huile d'olive ? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. La mission va bientôt toucher à sa fin. La nuit est tombée, le soir est venu, comme on dit dans le jargon de la poésie. Et ben on est tombé sur ce petit hôtel, hein, au charme un petit peu ancien. Hop là, voilà, directement sur le bois. On vous montre pas la salle de bain qui est commune. Parce que je pense que si c'est une salle de bain où je crois que bah, les cafards font à peu près notre taille, hein. J'ai serré la main, j'ai checké un cafard tout à l'heure. Demain, direction la plage. Ma grande mission pour Cuba. Je suis à ça de finir la mission. Et je suis un homme rancunier. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir, Pierre Cross. Je suis un homme rancunier. Bon, bah super, on est arrivé à sa fameuse plage à Pierre, Bacuranao. Alors effectivement, c'est une plage typiquement cubaine. Je vois que des Cubains. Donc je comprends pourquoi il veut la photo un petit peu pour savoir à quoi ça ressemble. Et on va partir en visite, hein, parce qu'une visite de la plage. Pierre, voilà, je vais te faire visiter la plage. Et en plus, je crois qu'il veut une photo après. Donc Pierre, comme tu le vois, une plage où il y a pas mal de sable finalement. Plage assez sablonneuse. Après le sable, comme tu le vois Pierre, il y a de l'eau. Tu veux aller te baigner? Pierre ne veut pas que j'enlève cette saloperie de chemise là, qui doit être faite en cuir d'homme. J'ai une seconde peau mais d'homme. Regarde ma saillie, il glisse sur la main. Regarde, on est presque un peu sur de la semoule hein, quelque part. Un côté couscoussier cette plage. Voilà Pierre, voilà ta plage. Je vous donne des petits conseils hein, en plage. Toujours venir avec des Santiago. J'ai plus qu'à rentrer là normalement, en vrai là. Oui, c'est bon. Hein Thomas. C'est parti, retour au bercail. J'ai pas envie qu'il me voit. Pierre Cross. Bonjour Benjamin. Ah t'es parfait. Ça te va? Ça me va très bien. Ça te va comme... Ça pouvait pas aller mieux. Bienvenue en France. Alors, tu voulais ouais. De l'huile d'olive de Cuba. Classique. 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 Regarde un petit peu ce que je t'ai ramené. Oh. Et moi j'ai eu du respect pour l'huile d'olive. Je l'ai mis dans un récipient sans dentifrice en fait. D'accord. Pour ceux qui se rappellent de Marrakech. Il y a pas l'odeur de la menthe. Alors, tu voulais une photo? Ouais, j'y tenais pas forcément, mais oui, oui. Oui, c'est cool d'avoir une photo d'une plage. C'était pas une obligation non plus. Hein. C'était, tu es avec Cuba spécialement pour ça en fait. C'était si t'avais le temps quoi. C'était bah, entre deux avions. Bah, attends, elles sont neuves ces chaussures? Bah oui, mais elles ont marché en fait dans tout le Texas et dans Cuba en on fait. On dirait qu'elles ont deux ans déjà. Voilà Pierre Cross, on vous la montre, hein. Là, elle est en... D'accord, ouais. Elle est en image. Ouais. Voilà. Eh, hey, y a du monde quand même. Oui, oui, et c'est une plage connue que des Cubains. Bon, je sais pas si d'ici que la vidéo sorte, ça sera validé par Google, mais on va essayer de la mettre sur Google pour que les gens qui cherchent la plage voient cette photo à partir de maintenant. Donc maintenant, quand vous allez taper le nom de la plage, vous allez tomber peut-être sur Verica en texan. Eh ben écoute, ça me permet bien de me rendre compte que la plage est sympa. Après, honnêtement, ça a l'air aussi d'une plage assez classique. Je suis pas sûr d'y aller un jour, quoi. Mais merci quand même d'avoir... Merci, ouais. D'avoir aidé là-dessus. Merci, ouais. Y a pas un dernier truc? Un dernier tatati tatou, photo, huile d'olive. Et Regarde, mes mains. Les mouchoirs. Alors, les mouchoirs. Non. L'harmonica. Ah, oui.
Oui, oui, ah. Thomas. Mmh. Oui, 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 oui. Et ça a rentré dans ta valise. Alors, non, alors ça. Ouais. Ah putain, tu vas rigoler, tiens. Donc on achète l'harmonica là-dessus. Ouais. Ouais. Ah nickel. Bon, tout d'un coup, donc retour vers Paris, dans l'avion, cohue. À un moment donné, un mouvement de foule. Et l'harmonica a dû tomber. Parce que moi, c'était le plus important, c'était l'harmonica. Et ça, je voulais m'en excuser. Donc, y a pas l'harmonica. Donc mission effectuée. Malheureusement. Ouais. Je veux bien me croire pour l'harmonica, mais tu sais, maintenant, avec l'application, là, je peux vérifier tes paiements. Donc, je peux voir s'il a été acheté ou si le truc de l'avion choqué et tout ça, c'est. Vas-y, monte ton appli là. Aïe aïe aïe. Quoi? Plus de batterie, plus de 80%. Bah, à la tuile! À la tuile! Dallas Airport, 7,99$, c'est quoi? Alors, oui, la brosse à dents, mais c'est que tu m'avais dit que j'avais le droit. H&M, c'est quoi H&M? Les caleçons. Et là, c'est quoi ça? Bar, cahier, Obispo. Bon, là, tu m'en bouges un coin. Hein. Là, je vois pas l'harmonica. Je vois un bar, cahier, truc Obispo. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette journée à service de l'autre là? Alors là, l'harmonica. Ouais. Et là, t'as essayé de m'avoir avec un petit tricks, l'harmonica, comme on peut retirer aussi, je l'ai payé en espèces. Ah, bien. Il est où le retrait là? Pim pam poum, il est à Cuba là. On dit un service non rendu égale annulation de la vente. Égale, vous inquiétez même pas. Bah merci. Merci Benjamin. Bah c'était un plaisir. Fin de la série des vidéos. Certainement pas. Un grand merci à Mastercard. Bah ouais, Mastercard, ça, du coup, qui super adapté parce qu'eux se sont engagés sur quelque chose où toi-même tu savais pas ce que c'était. Bah moi voilà. On rappelle quelques points quand même parce que grâce à eux quand même le voyage il a été nickel en tout cas de point de vue sécurité et financier. La facilité de paiement, j'ai pu payer avec la carte, ouais. Sans contact. J'ai pu payer avec le téléphone sans contact. Faut savoir qu'en cas de perte, si j'avais perdu ma carte, je peux la bloquer en un coup de fil et il t'en renvoie une sous 48 heures. Et en cas de paiement frauduleux ou de vol, c'est remboursé à partir du premier euro. Donc voilà, c'était totalement safe et sécurisé. Et un dernier et énorme merci à Thomas, mon compagnon. Non, vraiment, vraiment Thomas, parce que toi tu vas pas aller au paradis. En vrai, après ce que t'as fait là, tu vas pas aller au paradis. Thomas, on peut lui dire bonjour à Thomas quand même. Bah, hein, on le Thomas. Connaît à force. Bonjour. Thomas, voilà, ça c'est mon Thomas, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. On vous dit. Non, vas-y, j'ai fini. Ouais. Juste pour savoir si après tu peux me faire un petit café. Je suis super fatigué, j'ai mal dormi cette nuit. Mais non, parce que... je me suis endormi un peu tard, j'ai regardé une série. Alors, fin de vidéo, café. Ouais. Et après, je vais même aller en enfer avec toi. Après ce que je vais te faire. Oh. Holy man.